Eh bien oui, toujours en ce septième jour de février. Et bien un autre volet aussi dans la profession. Tout devenait gratuit, tout devenait du troc. On sortait complètement du nucléaire. Finalement, on faisait des salles de sport, on faisait tourner des alternateurs. Donc, chacun payait son énergie et la fournissait aux autres. Et voilà. Et en fait, tout devenait cool. Le transport en commun était gratuit, tout était gratuit. On va dire que ça marchait par électrolyse. Quand tu pissais dans le réservoir, c'est bon, t'avais le plein. À la DeLorean ou quoi. À la fin, tu mets 4 poubelles dans le convecteur et c'est bon, c'est parti. L'histoire, c'était des salles de sport. Alors, c'était une grande salle de sport. Chacun me rame et il rame, celui qui pédale, il pédale, celui qui court, il court, celui qui fait ce qu'il veut, fait ce qu'il veut. Est-ce que tu aurais des tapis, des gros alternateurs, et machin, tout ça. Et ça suffit à fournir le courant, pas besoin de bousiller tout sur cette planète. Là, maintenant, pour taper sec. Et qu'on était tous responsables de devenir de l'ensemble. De l'esprit de devenir de l'ensemble. Voilà. Partir à l'an zéro. Le 1er janvier prochaine, sera 0001. On se sert de toutes les heures de passé, du passé. On explique à présent. Donc ça va finir. On explique. Présent, qu'est-ce qui va se passer? Le retour du futur. Enfin, bref, pas important. Moi, je suis malade, je me promène dans l'espace-temps. Guillemot est très fort, chercheur au CNRS. Dans l'espace-temps, mieux que moi, il dit pas de gros mots. Philippe Guillemot. Et ben, c'est de la balle. Joël, c'est pas moi aussi. Aurélien Barraud, pas moi, je sais. Là, pour ceux qui veulent développer des théories de la tronche, il y a du boulot quand même. Si tu veux rester goy, tu restes goy. Hein. C'est comme ça qu'un Verbère, la troisième humanité, là, ça allait pas faire comme ça. Il y avait ceux de l'ancien monde qui croyaient au pognon. Bon, bah, petit à petit, ils vont réduire, il n'y en aura plus. Il y a ceux qui croient au monde, au partage, et on n'est pas tout, on recommence. Tous les riches s'entretuent entre eux, on n'a absolument rien à foutre. Qu'ils laissent les pauvres survivre. Il y a tout pouvoir en place et corrompu, on en a marre. Même comment il dit Renaud, la médecine est une putain et le macro c'est le pharmacien, c'est vrai. Tu tapes, hein. Alors petit à petit, on sortait du tapin collectif, tu vois. Pour le réveil du devenir de l'ensemble, le réveil de l'esprit. Comme les notes de la partition que je dis, c'est en ré. Et en ré comme réponse. La République, on sera 5 minutes. Une fois qu'ils fournissent plus le beurre et qu'ils tombent bien enculés, bah t'as mal au cul. La réponse, la responsabilité. On rentre un peu dans du nodule, un peu plus costaud là. C'est pas prosium. Prosium 19. L'exo 19. Non. Moi j'ai de la chance, c'est qu'au moins je crois en moi. Astronomie, astrologie, l'alcoolologie, j'étais chef.
t'as le coloc, il fallait bien être alcoolique. Hein. Les mecs sont profs de ci, profs de là, ils comprennent rien de ce qu'ils racontent. Donc, il est professeur d'addictologie, et s'il sait pas de quoi il parle, c'est un gros baigneux. Voilà, Coluche, il voulait nous vendre un échantillon d'intelligence, il n'en avait pas un sur lui. Le doyen a des facultés, quoi. Ça fait un moment qu'il les avait plus d'ailleurs. Heureusement, moi j'ai le foie et la foi. Ça marche ensemble. Histoire d'espace-temps, c'est ça que Philippe Guillemont, c'est très très fort. Ça a un sens. Ça me plaît bien.